Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de God of War. On est re-un duel de la guerre. La dernière fois qu'on s'est arrêté, on essayait de retrouver notre fils qui avait disparu, Atreus. On avait trouvé un ours mort qui, on suppose, il y avait un autre ours qui avait attaqué du coup notre fils. Et voilà, tout simplement, on essayait de le retrouver. Sur ce, moins de blabla, plus de game. A tout de suite. Atreus, où es-tu? Ah, je sais pas où est Atreus, mais l'ours, on l'a trouvé, hein. Ah, c'est une sacrée bébête, hein. C'est pas un petit ours. Ah, Bjorn. On est obligé de buter l'ours? Aïe, aïe. J'ai esquivé. Oh putain. Ah, il a l'air en colère. On esquive, on esquive. Ouais, je peux me protéger avec mon bouclier, mais que contre les attaques jaunes, Akira. Là, par exemple, j'ai fait une parade parfaite. Et ça, je peux pas l'esquiver. Ça non plus. Et je suis en train de charger mon élément de glace. Donc... ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. J'ai fait la parade parfaite. Oh, vas-y. Tu vas saouler. Attends, quoi? J'ai appuyé sur finir. Voilà, voilà, voilà. Ça fait pas du bien. Oh putain, oh putain. Au revoir l'ours. Ah mais c'était Atreus. 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 Quoi? Doucement, concentre-toi, guéri. Il peut se transformer en ours, Atreus? Il est comme capacité par contre. J'ai enterré Fenrir. Et après je ne sais plus. Alors pourquoi il s'appelait Bjorn par contre? J'étais si triste. Puis j'ai ressenti de la colère. Et de la peur.
Je me rappelle avoir... couru. J'ai vu un ours. Il a chargé et... je l'ai... attaqué. Mais ça devait être un rêve. Tes émotions... elles t'ont transformé. Je savais pas que je pouvais faire ça. Ce n'est pas toi. Tu n'y es pour rien. Oh, un peu quand même. Ils ont pris le dessus. C'est pour cela qu'il faut continuer à t'entraîner. Ouais, pour les maîtriser. Nous ignorons l'étendue de tes pouvoirs. Ils seraient dangereux sans la discipline pour les contrôler. Tu m'as déjà enseigné la discipline. J'ai besoin de plus. Il me faut des réponses. Et tu ne les as pas. Seule ta mère avait ses réponses. Et elle les a gardées pour elle. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider? Quelqu'un qui aurait des réponses sur les géants et le rôle qu'est censé jouer Loki? Atreus! Je ne devrais pas savoir ce que je vais devenir. Atreus, écoute. Écoute-moi. J'aurais pu te tuer. Tant que tu n'as pas le contrôle, nous ne prendrons aucun risque inutile. L'inaction est aussi un risque. C'est pas faux. C'est toi qui me l'as appris. Arrête de penser comme un père et pense plutôt comme un général. Non! On a récupéré un peu de vie. Y a pas un peu de vie par là qui traîne? Tenace. Apparemment non. On utilise pour une fois la hache pour son utilisation première. Par ici. Alors. Va-t-on parler de ton fils qui se change en ours? Oui, dis-nous. Pas maintenant. Nous devons réparer le symbole de protection et rentrer. Qu'est-il arrivé au symbole de protection? C'est toi. Alors c'est ma faute? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Atreus. Non, mais c'est ce que dit ta voix. Bah oui, normal en même temps, frérot. Parce que là, il y a Michelin qui va venir. Voilà. C'est carré pour demander à un compagnon d'attaquer les flèches. C'est génial, père. Maintenant. Lista. Oh putain, chaque fois je me trompe de touche. Attendez, on peut pas changer les touches parce que c'est une horreur. Ok, là on est bien. Je l'ai eu. Alors petit, hormis ton don pour les langues et le fait que tu lises dans les pensées des créatures, as-tu développé d'autres pouvoirs magiques? Pas vraiment. Et pour Fenrir? Quoi Fenrir? J'ai juste le temps de s'en remettre. Tu as jeté un sort. En mouche. Non, je n'ai rien fait. Mais j'ai vu une lumière. Je ne vois pas de quoi tu parles. Un gros coffre. Un coup de film Balvetter, peut-être. Je connais ça. Putain, mais encore que des éléments de fabrication. Super forgé. C'est plus la jupe. Ah, oh, ça y est, je sais où nous sommes. D'où vient ce sang? De toi, Atreus. Sérieusement? De toi ou de la proie que tu traînais, je suppose. Je ne sais pas si je trouve ça rassurant. Allez. S'il y a la mère de Michin qui vient, ça m'étonnerait même pas. Celui-là.
Quoi? Des bébés ours. Je voulais pas. Qu'importe les intentions, seul compte le résultat. Hop oh. Que pouvons-nous faire? Rien. La nature fera son œuvre. Du moment là, quoi. Donc Atreus, il va les recueillir. T'aimes pas? Hop. La tempête approche. Il fait assez froid comme ça. La maison est proche. Au-dessus de toi, projectile! Oh frère! Et frère, toujours plus! Let's go. Ils sont nombreux. Ça a été comme ça toute la nuit. Ils devaient être à l'intérieur quand j'ai refait le symbole. Pour moi, ça me paraît plus logique d'esquiver avec avec rond qu'avec croix, quoi. Voilà. S'il y est, c'est qu'il n'y a pas que moi qui trouve ça plus logique. S'il y a le paramètre pour échanger. Oh, on est passé dans Atreus là. Atreus! Je voulais juste. Oli! Oui, père. Oui, père. Oh! Pieux! Cette soirée était un peu trop agitée à mon goût. Quoique, je dois avouer que cela m'a rappelé le bon vieux temps. Naviguant tous les trois dans des bois jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu nous as pas accompagnés. C'est vrai. Ah, non, je fatigue certainement. Qui a chassé un cerf les a tous chassés. Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais? Il y a toutes sortes de fatigues, petit. Tu le verras en vieillissant. Reposez-vous, mes frères. On voit toujours les choses sous un meilleur angle quand il fait jour. J'avais pas l'impression qu'il faisait nuit, perso, mais bon. Est-ce que je vais revoir ma femme? C'était quoi? Ton arc. C'est tort. C'est Freya. Je crois que c'est Freya qui s'appelle. Mais là, non, je vis des éclairs. C'est tort. Ouais. Il a pris du bide, hein. Je peux entrer? J'ai à boire. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie. Oh. Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. Il est grand. Il est grand. C'est gros. C'est coquet.
T'es sûr que le banc il va tenir? Croire que oui. C'est du bon chêne, frérot. Avant que je serve, que fais-tu là? Moi, je suis venu par courtoisie. On y croit tous. Corbeau de daim. Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable. C'est le cas. Tu es une personne calme et raisonnable. Quand la situation l'exige, je sais être calme. Je crois que le moment est bien choisi. Ouais. Encore quelqu'un ? En fait, ils ont organisé une pyjama party, il fallait le dire. Hein. Ah. Ah. Oda? Oda? Tu sais qui je suis. Oda. Avant l'arrivée okay. de l'hiver, il y a eu des malentendus. Plutôt regrettables. Ben, je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. Bon, ce que tu as fait à ses fils... légitime défense. La mort est ce à quoi les As aspirent. Et soyons honnêtes, ils n'étaient vraiment bons à rien. C'est vrai qu'on a buté ses deux fils. Mais Baldur, lui, il avait de la valeur. C'était mon meilleur pisteur, mon atout. Certes, il était complètement fou. Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi. Est-ce que tu me suis? Tu as une dette. Tout ça ne m'amuse plus. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, bois ouvert. La paix, ça te tente? Qu'en pense donc notre vénérable dieu de la guerre repenti, si on ne s'entretuait pas pour changer? Tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. J'en ferai autant de mon côté. Bien sûr, il faut que celui-ci renonce à ses recherches pour retrouver Tyr. Nous savons ce que tu mijotes, alors arrête. L'époque de Tyr est révolue. Il est mort. J'ai compris? Et puis nous serons quittes. Je vais même ajouter un bonus. Je te laisse garder le prisonnier. Celui que tu m'as subtilisé. Eh oui, je sais que tu n'es pas loin. Tu te planques, espèce de sale petite raclure baveuse. Nous sommes censés te croire sur parole? Ah, mais bien. Jamais tenu une seule promesse. Le voilà, mon vieux complice d'autrefois. Où ce qu'il en reste? S'il te dit que la neige est blanche, il te ment. C'est quoi ces inepties? La tête la plus intelligente du monde ne voit donc pas plus loin que le bout de son nez? Ne comprend-elle pas que l'on cherche la même chose?
Voilà une offre que tu ne sauras pas refuser. Je règle ta dette envers mon ancienne compagne. Ainsi, je te débarrasse de Freya. Et comme cela, ta progéniture est protégée. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas? Alors, qu'en penses-tu? Non. Ah, let's go! C'est ce qu'on voulait entendre! Ne traîne pas trop. Enfin. Ah. Et on est parti, on va combattre Thor. Tu n'es pas d'ici. Nous avons une tradition appelée les têtes de sang. Ça veut dire que je prends une part de toi pour ce que tu as pris à ma famille. Choisis-la. On a volé loin. Ça, c'était pour battre. Maintenant, montre-moi ce tueur de dieu dont on a parlé. Frère, c'est pas te battre, c'est j'ai pas ma... J'ai pas ma hache. Je ne voulais pas de ce combat avec mon frère. Ce n'est pas mon problème. Comment as-tu pu devenir dieu de la guerre? Allez. Ah, gueule. Thor. Non, je voulais esquiver. J'étais en train de frapper. Tu bafoues la mémoire de mes fils. Je n'arrive pas à croire que tu les ai vaincus. Aïe. Allez, non, pas. Oh non, 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 non. Connais mon passé, l'histoire du fantôme de Sparte. Alors tu sais ce dont je suis capable. Montre-moi. Enfin. Let's go. Aïe. Non. Aïe. Aïe. Ah, gueule. Faut aller esquiver un peu plus loin là. Merde. Oh non, j'ai utilisé mon bouclier trop tôt. T'as mis quelle difficulté? La deuxième plus haute. J'ai pas mis en God of War, j'ai mis la deuxième plus haute. Timing parfait. Ok. Thor. Oh, il dégage pas tout de suite parce que sinon c'est la fin du jeu, mais. Désolé pour ta statue, Tyr. Mieux m'aurait. Rien de tel que d'attaquer son adversaire. Ouh.
Tes fils ont porté le premier coup. Bien. Alors c'est ça le dieu qui a massacré tout un panthéon parce qu'on l'avait vexé. Allez, approche-toi. Alors c'est ça le dieu qui a massacré. Dégage. Parce qu'on l'avait vexé. Ah, gueule. Aïe. Aïe. Chance. Quoi? Quoi? Serais-tu à la chance? Ok, c'est clair. Une scène QTE. Abruti. Tu crois qu'il suffit de t'installer ici et de devenir père pour prendre un nouveau départ? Ça ne marche pas comme ça. Tu es un destructeur comme moi. Attends, quoi? C'est moi qui ai raté le QTE ou c'est... Oh, 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 non. Je décide quand c'est... Ah, ok. Je ne partirai pas avant d'avoir... Ok, j'ai eu peur. Vraiment. Debout! C'est ça le dieu étranger qui a vaincu Baldur. C'est ça l'homme qui a vaincu Sigrun, reine des Valkyries. Hop, hop. Ta gueule sort de merde. Patate dans ta gueule. Patate, 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 patate. Ah, plus patate. Ça c'est pour maudit. Même dans la mort, tu le gardes pour la fin. Qu'est-ce que tu as dit? Maudit est venu à nous parce qu'il te craignait. Il est mort des blessures que tu lui as infligées. Bon, écoutez un peu le papa. Ça semble familier. Quoi? Peu importe. Wow, c'est quoi ça? Je ne suis pas venu pour que tu me dises comment étaient mes enfants. Je veux voir le dieu de la guerre. Je vais y mettre un terme. Aïe. Ta gueule. C'est tout. On commençait enfin cette musique. Ferme à ça. Ok. Tirer QTE. Pour le moment, il y a des pas de QTE. Mais ça ne suffira pas. Bon, il arrive pas un petit là. Qui es-tu? Montre-moi! Montre-moi le tueur de Dieu! Ok, glace. De l'autre côté. Aïe. Pourquoi? Je pouvais pas esquiver ça? Ah ok, non je pouvais pas. Je vois pourquoi mes fils sont perdus. Même si tu n'es plus celui que tu étais. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Bien sûr. Quant à ton fils, le père de tout a des projets pour lui. Oh le gros potin dans ta gueule le gars. Le
Le voilà. Normal, t'as parlé de mon fils. Voilà le dieu. Normal. Tu viens de payer ta dette de sang. On se reverra. Je t'avais dit qu'il s'en sortirait. Kratos, c'est Sindri et Brock. Ah, les fameux. Chez moi, vite. Nos forgerons préférés. Non. Je prépare vite un accès mystique. Qu'est-ce que ça? Je te suis. Et content de voir que tu te fais des amis. Qu'est-ce que tu penses de Mjolnir? Tu sais qu'on a fait ce marteau, non? Tu l'as mentionné. Oui, je sais. Mais j'étais pas sûr que t'avais écouté. La hache lui a tenu tête. Et c'était le but en fin de compte. Te mènera chez toi. Mais pas de coffre. Merci les gars. Encore une chose, Gringalet. Si les As t'ont rendu. Oh là là, c'est vrai, c'est incroyable ce truc. Une fois que t'auras chassé Odin, il y a un endroit où tu peux aller te vider la tête. Et je parle pas de celle qui papote tout le temps. Je pas ma maison. Ah ouais? Et qu'est-ce qui empêchera le vieux corbeau de venir tes pieds? Parle ou pas de Mimi. Ta maison en miettes pendant que tu roupilles. Que dalle, je te le dis. Va chercher ton fiston. Moi, je m'occupe de convaincre une certaine personne de vous héberger au besoin. Merde, pas y appuyer. Hop là. Fils, je reviens. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons combattu Thor, nous avons énervé Odin, nous avons appris que notre fils veut rencontrer Tyr. Pourquoi il veut rencontrer Tyr, du coup, le dieu de la guerre de ce monde-là? On le saura dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner, à mettre dans les commentaires pourquoi il veut voir le dieu de la guerre d'ici, donc Tyr. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.